Ce live pour venir indexer RFI. On est fatigué de vos mensonges. Je dis, hein, RFI, il va falloir qu'on aille devant RFI. Il faut qu'on aille devant RFI. Je vous en prie. Nous devons aller corriger RFI. Fermez vos gueules, fermez vos bouches. Ali Bongo est déjà mort. Pourquoi est-ce que vous ne nous montrez pas le cortège d'Ali Bongo? Pourquoi est-ce que vous ne nous montrez pas l'avion médicalisé d'Ali Bongo? C'est quoi? Vous vous foutez de qui? Le mensonge RFI. Vous ne nous dites rien d'intéressant. Ali Bongo est déjà mort. Allez-y au diable. Allez-y vous faire foutre. Bande de menteurs que vous êtes. C'est le Congo ça que vous faites. Vous ne dites rien d'intéressant pour l'Afrique. Bande de cons, bande de chiens, foutez-nous la paix. Ali Bongo est déjà mort. Sylvia Bongo Ondimba qui doit vous communiquer, qui doit faire des communiqués. Elle est maintenant la substitut du porte-parole de la présidence de la République. C'est elle maintenant qui doit dire et qui doit prévenir les membres du gouvernement de se déplacer pour aller voir soi-disant le président à Rabat. Le Gabon est devenu une province de l'Arabie Saoudite, du Maroc. Mais qui est-elle du genre pour nous dire ce que son époux compte faire? Pour annoncer à la population, en fait, les tenants lieux et les aboutissants de la convalescence du président de la République, ce n'est pas à elle de le faire, en fait. Et surtout pas via les réseaux sociaux. Là, on est prêt à passer sur les guignols de l'info. Je suis désolée, c'est vraiment du n'importe quoi. Je ne sais pas si les gens réalisent, en fait, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, en fait. Et le...